Bienvenue. Gratitude de se retrouver. Welcome, benvenido. On va faire une grande respiration et un om d'amour pour tous. 1, 2, 3. Sentez bien dans les pieds, nous allons faire un am dans les pieds. Je connecte mon yogi interne. Et nous allons monter les bras, ouvrir les yeux. Nous allons commencer par monter sur la pointe des pieds. Focalisation en face. Et les bras, les mains montent, montent, montent. Étirement des omoplates. Il y a déjà une jouissance de l'étirement. Oui, ça monte, ça monte, ça monte. Une grande inspiration. 1, 2, 3, abandon. Les abdos se contractent. Les muscles fessiers se contractent et nous sommes suspendus par le haut. Ah oui, gratitude, jouissance de l'étirement, tout le dos qui vibre, une respiration. 1, 2, 3. Et je monte, je monte, je monte. Les bras et les mains suspendus. Je monte, je monte, je monte, je monte. Inspiration. 1, 2, 3. Voilà, ressentez l'équilibre jour après jour. Focalisation en face, un point fixe. 1, 2, 3. La conscience dans les pieds. Toute la conscience dans les pieds pour tenir en équilibre. Et en même temps, le corps se durcit. Et affermissement des muscles aussi. Tout le corps commence à chauffer. Peut-être vous pouvez ressentir une émotion, quelque chose. Une respiration. 1, 2, 3. Et puis tout doucement, les pieds redescendent et les bras, les mains vont tout doucement se relâcher et s'abandonner. Inspiration. 1, 2, 3. Abandon. Inspiration, expiration, là où ça tire. Grande inspiration par le nez et à chaque expiration par la bouche, ça, je m'abandonne, je lâche tout. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration par le nez, retenez. 1, 2, 3, expiration. Et je m'abandonne, tout devient calme et repos, tranquille,
prends l'inspiration. 1, 2, 3. Inspiration, expiration, là où ça tire. Et puis tout doucement, depuis le bas du dos, nous remontons. Vertèbre après vertèbre. Inspiration. 1, 2, 3. Les bras en croix. Pour celles et ceux qui n'ont pas de problème de vertèbre. De vertèbre, nous allons aller en arrière. 1, 2, 3. Ah ! Ah ! Oui ! La mâchoire s'ouvre. Ah ! Grimace. Ah ! Et j'ose la jouissance de l'étirement. 1, 2, 3. Ah ! Ça fait du bien. Les mains soutiennent le bas du dos. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Ah, oui. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. 1, 2, 3. Connexion à la jouissance de cet étirement. Inspiration, expiration, là où ça tire. 1, 2, 3. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. 1, 2, 3. Ah ! Et je me fais du bien dans cette posture des 5 Tibétains. 1, 2, 3. Et progressivement, nous allons revenir en position verticale depuis le bas du dos. De nouveau, nous sommes bien droit, bien droite. Les mains montent, montent, montent et de nouveau sur les doigts de pied en face. Une respiration. 1, 2, 3. Et c'est le dos qui s'étire maintenant.
1, 2, 3. Ah oui, jouissance dans le dos. Jouissance de l'étirement. Nous sommes sur les doigts de pied. Et je monte, je monte, je monte. Le corps se réveille. Inspiration. 1, 2, 3. Ressentez un calme, une paix, une tranquillité. Tous les programmes sont éteints. Il y a juste un corps qui est heureux, heureuse de contracter les abdos, de monter, monter, monter. 1, 2, 3. Inspiration. Et si j'éternue, j'éternue. 1, 2, 3. L'énergie circule de plus en plus, les mains deviennent moites. Et la conscience dans les doigts de pied. Et je monte, je monte, je monte. 1, 2, 3. Une inspiration. 1, 2, 3. Et je redescends tout doucement. Et de nouveau, les bras, les épaules et les mains. De nouveau, se laisse aller et tombe. Inspiration. 1, 2, 3. Et je relâche et je m'abandonne à la gravité, à la posture. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Une grande inspiration. 1, 2, 3, abandon. Et 3. Inspiration, expiration, là où ça s'étire. 1, 2, 3.
tout doucement, nous allons de nouveau revenir en position verticale. Les bras, les mains montent. Ressentez dans les pieds. Nous allons faire un amas dans les pieds, sur la plante des pieds. Posture Anatman, les bras en croix, la tête en arrière si vous n'avez pas de problème de cervical, et les 5 tibétains. Dites avec moi, je dis oui à la vie. Je permets, j'autorise, oui à la vie. Je suis la vie. Jouissance de l'étirement, les mains soutiennent le bas du dos. Inspiration. 1, 2, 3, abandon. Et je m'étire. La mâchoire aussi. Grimace, étirement de la mâchoire. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Nous allons revenir de nouveau, tout doucement, depuis le bas du dos, en position verticale. Le bras droit monte. Le bras gauche reste en bas. Et nous allons faire la demi-lune sur la gauche. Gratitude, oui. Étirement. Et je m'étire. Tout le bas du dos, le cou, avec cette demi-lune. 1, 2, 3. Gratitude, oui. Le corps est content. 1, 2, 3. Et ça fait du bien. Je permets, j'autorise la jouissance de l'étirement. Je permets, j'autorise l'expression de la jouissance. Je me fais du bien tous les matins. Je permets, j'autorise. J'honore mon corps physique. Je permets, j'autorise. Je célèbre la vie, je permets, j'autorise, je célèbre mon corps physique. Oui, j'ai le droit à la jouissance du corps physique, je permets, j'autorise. 1, 2, 3, gratitude, ressentez les effets cumulés de la pratique. Chaque jour, un peu plus de jouissance et d'étirement. 1, 2, 3. Et le pied droit peut monter un petit peu pour
se pencher encore un peu plus. Inspiration. 1, 2, 3. Ah oui, oser la jouissance. Beaucoup de sensations. Inspiration. 1, 2, 3. Et puis nous revenons en position verticale. La main, le bras gauche monte. Et la demi-lune dans l'autre sens. Le pied gauche se soulève un peu. Inspiration. 1, 2, 3. Ah, gratitude, oui. Ça fait du bien. Et ça réveille. Une respiration. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Abandon. Deux, trois. Un, deux, trois. Et je m'abandonne à la posture. Un, deux, trois. Ah oui, gratitude. J'inspire, j'expire là où ça tire. Un, deux, trois. Et je reviens tout doucement en position verticale. La conscience bien dans les pieds, la plante des pieds bien au sol, les mains, les bras montent. 1, 2, 3. Et c'est le bras droit qui se plie. Nous allons faire un étirement du dos. Le bras droit monte. Ah oui, ça monte. J'étire le bras droit, enfin le coude qui monte. Ah! Et étirement de tout le dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules. Ah, gratitude. Et ça monte. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi lever les pieds, ouvrir les yeux et monter sur les doigts de pied. Ça vous fait quelque chose encore en plus pour ceux et celles qui le sentent. Et le coude monte. Et je suis sur les doigts de pied. Et ça monte. Équilibre et étirement en même temps. Ressentez le corps s'équilibrer, trouver son équilibre. Et je monte. Inspiration. 1, 2, 3. Oui, focalisation en face. 1, 2, 3. Et je redescends. Nous allons maintenant tourner à gauche. Ah, torsion. Une respiration. 1, 2, 3. Ressentez la colonne qui se tord. Inspiration, expiration, là où ça tire. 1, 2, 3. Et le coude monte. Inspiration. 1, 2, 3. Nous revenons en position initiale, les deux bras, les deux mains en l'air. 1, 2, 3. Et c'est le coude gauche qui se plie. Toujours le regard en face. Et nous montons sur les doigts de pied. Et je monte. Contraction des abdos, des muscles fessiers. Et le coude monte. Inspiration, étirement. 1, 2, 3. Inspiration, expiration. Vous sentez l'équilibre qui travaille. Votre corps trouve son équilibre. Inspiration. 1, 2, 3. En même temps, vous êtes dans votre corps, vous incarnez le corps. Inspiration. 1, 2, 3. Et je monte. 1, 2, 3. Et puis nous descendons pour faire la torsion sur la gauche.
1, 2, 3, torsion. Ah, gratitude, oui. Jouissance dans la torsion. 1, 2, 3. Ah, ça fait du bien. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Deux, trois. Et si je pleure, je pleure. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration par le nez. 1, 2, 3. Je suis le yoga. Je permets, j'autorise. Je me rappelle de mes vies de yogi. Je permets, j'autorise. 1, 2, 3. Je suis l'unité et l'union, je permets, j'autorise. Je m'unis à mon corps physique, je permets, j'autorise. Et nous revenons tout doucement en position initiale. Nous allons maintenant déverrouiller le bassin avec du hula hop. Inspiration. Le bassin commence à faire des ronds. Depuis les chevilles, qui commencent à tourner, les genoux aussi font des ronds. Imaginez les ronds des genoux. Et c'est tout le bassin qui fait des grands ronds qui dépassent le tapis, ou au moins qui arrivent au tapis. Inspiration. 1, 2, 3. La conscience dans la plante des pieds. Ressentez les pieds, la plante des pieds quand vous faites ce mouvement. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Les genoux se plient. 1, 2, 3. Et nous continuons à faire des ronds. Ressentez que ça se débloque, c'est de plus en plus fluide dans le bassin. 1, 2, 3. Et si je rote, je rote. Inspiration. 1, 2, 3. Et puis dans l'autre sens. 1, 2, 3. Fluidité dans le bassin, je permets, j'autorise. Élimination des programmes qui s'incrustent dans mon bassin et dans mon corps, je permets, j'autorise. Je suis la fluidité, je permets, j'autorise. Mon corps est de plus en plus fluide partout, je permets, j'autorise. Et inspiration. 1, 2, 3. Je suis unifié avec mon corps physique. Je permets, j'autorise. 1, 2, 3. Ressentez votre respiration maintenant. Ici, les deux narines sont totalement débouchées. Ida et Pingala, Shushumna. Ressentez, est-ce que la respiration est fluide, profonde. 1, 2, 3. Voilà, nous allons revenir en position initiale, faire une dernière fois la posture Anatman, quelques instants. Ah oui, je m'abandonne à la vie, je permets, j'autorise. Je m'abandonne à mon corps physique, je permets, j'autorise. Ah, ah. Et nous revenons en position initiale, inspiration.
1, 2, 3. De nouveau un âme dans les pieds, ressentez bien. Et nous nous mettons assis maintenant pour étirer la jambe droite. Une respiration. 1, 2, 3. Étirement de la jambe droite. 1, 2, 3. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et inspiration, expiration là où ça tire. Inspiration. 1, 2, 3. Expiration. Les yeux fermés, je m'abandonne à la posture et toute ma conscience là où ça tire. Ah, gratitude. Allez vers la jouissance de cet étirement. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Ressentez l'énergie circuler. Inspiration profonde par le nez. Expiration, relâchement par la bouche. Et nous changeons de jambe, étirement de la jambe gauche maintenant, inspiration, 1, 2, 3, inspiration, 1, 2, 3, expiration. Thank you.
Inspiration par le nez, expiration par la bouche, en continu. Et nous allons enchaîner avec le papillon. Posture du papillon. Plantes des pieds se rejoignent et les genoux montent et descendent. Oscillation. 1, 2, 3. Assouplissement. Tous les muscles du haut des jambes et du bassin. Inspiration. 1, 2, 3. Le dos bien droit, la tête en face. 1, 2, 3. Nous allons enchaîner avec la grenouille. Plante des pieds bien au sol. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration par le nez, expiration par la bouche.
puis en position assise. Nous revenons tout doucement. En position assise, inspiration. 1, 2, 3. Ressentez dans le bassin, quelque chose est posé. Puis nous allons nous étirer en arrière si vous n'avez pas de problème de cervical. 1, 2, 3. Ah ! Oui, et le bassin monte, monte, monte. Ah ! Inspiration. 1, 2, 3. Le bassin monte, 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 étirement des cuisses. 1, 2, 3. Tout doucement, sans forcer. 1, 2, 3. Et nous revenons tout doucement. Et nous allons enchaîner sur la planche. Une respiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde par le nez. Expiration par la bouche. Ah. Les muscles fessiers sont contractés, les abdos contractés. Et le bassin monte, monte, monte. Je monte, je monte, je monte. 1, 2, 3. Ah oui, jouissance de l'étirement, ressentez la douceur qui est là, la tendresse, un yoga doux et tendre, tout doucement chacun à son rythme, le bassin monte, 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 je me fais plaisir, je prends soin de mon corps, je permets, j'autorise. Une respiration, 1, 2, 3. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, autant que vous pouvez, et si c'est trop dur, bien revenez. Je monte, je monte, je monte depuis le bassin. La planche est de plus en plus droite. 1, 2, 3. Je reviens tout doucement, les fesses reviennent au sol. Gardons la posture d'étirement en arrière. Tout doucement depuis le bas du dos. Ah ! Oui, je continue à m'étirer. 1, 2, 3. Étirement de la colonne. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Ah. Et depuis le bas de dos, je reviens en position verticale. 1, 2, 3. Ressentez
le bassin, le premier chakra. Quelque chose est posé dans le corps. Une respiration. 1, 2, 3. Et on va faire un ham. Avec le chat, posture du chat, inspiration, posture du chat et aussi posture libre. 1, 2, 3. Ah oui, je m'étire en avant, en arrière. 1, 2, 3. Ah, étirement dans le bas du dos. Ah oui. Le chat qui s'étire. Une respiration. 1, 2, 3. Gratitude, laissez faire la jouissance de l'étirement. Et ainsi que des postures libres. Votre corps vous parle. Ah oui, je m'étire. Et ça fait du bien. Ah, inspiration. 1, 2, 3. Ah, un yoga tantra. 1, 2, 3. Et je reviens, je m'étire. Laissez votre corps décider des postures. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Inspiration par le nez, toujours expiration par la bouche sans s'arrêter. Ah oui, les yeux fermés, concentrés dans les ressentis intérieurs. Vous êtes le corps qui bouge, je suis le corps qui bouge, qui sait ce dont il a besoin. Inspiration. 1, 2, 3. Ah. Inspiration. 1, 2, 3. Gratitude. Oser la jouissance de l'étirement. J'ose me faire du bien. Je permets, j'autorise. Je suis la jouissance de la vie. Je permets, j'autorise. Nous allons enchaîner avec la montagne en laissant de la place sur la droite pour la dragonne, le dragon. Une belle montagne et je tire sur les jambes et sur les bras. Ah oui, les mollets. J'étire sur les mollets à gauche, à droite. 1, 2, 3. Une belle montagne à 3. Nous allons faire avancer la jambe à droite. 2, 3. Alignement des paumes des mains avec le talon. Et relâchement. Tout se relâche. Inspiration. 1, 2, 3.
Et nous allons faire la respiration du feu. Donc l'expiration du feu, c'est expiration par le nez, puis l'air rentre par le nez, et mouvement continu. Voilà, si vous avez la tête qui tourne, arrêtez bien sûr, parce que vous allez augmenter l'oxygène dans le corps. Grande inspiration et un ham dans les pieds et les mains. Ah. Pour de nouveau la montagne en laissant de la place à gauche. Inspiration. 1, 2, 3. Et je m'étire, je pousse sur les bras et les mains, sur les mollets. Ah oui, étirement partout. 1, 2, 3. Et à 3, le pied gauche arrive en avant. 1, 2, 3. Alignement des paumes des mains et du talon. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, la respiration du feu, je remonte, c'est expiration par le nez. L'air rentre tout seul et vous re-expirez par le nez. L'air rentre tout seul et il y a un mouvement continu qui s'effectue. Donc, attention, si la tête tourne, arrêtez. C'est du Kundalini Yoga. Thank you.
Une grande inspiration. Et nous revenons tout doucement en position allongée sur le ventre. Quelques minutes de repos, la tête sur le côté. Inspiration. 1, 2, 3. Les mains le long du corps. Je m'abandonne à la terre. Je permets, j'autorise. Tout mon corps se relâche totalement, je permets, j'autorise. Arrêt de tous les systèmes mentaux, je permets, j'autorise. Et je lâche tout, je permets, j'autorise. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration par le nez et relâchement, abandon, expiration. Et ressentez à l'expiration, je m'abandonne au tapis, à la terre, je disparais même. Inspiration. 1, 2, 3, abandon. Je disparais, reste ce que je suis réellement. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche tout. On continue. Nous allons nous retourner sur le dos, tout doucement. Grande inspiration. 1, 2, 3. Le bas du dos, bien plaqué au sol. Les bras, les mains en position du nageur, de la nageuse. Et air. Tire en arrière les bras. Vaut en arrière. Ah oui, jouissance dans le dos, de l'étirement. Le bassin monte. Contraction des abdos et des muscles fessiers. Et je monte. Étirement des cuisses. Ah oui, étirement du dos aussi. C'est de la jouissance dans plein d'endroits, cette belle posture. Les cuisses s'étirent. Les muscles fessiers s'étirent, les abdos s'étirent, les bras, le dos, quasiment tout s'étire avec cette posture. Ah oui, gratitude.
Et je tire, je tire, je tire, je tire en arrière. Ah oui. Et en même temps, je tire vers le haut avec le bassin et je monte, je monte, je monte. 1, 2, 3. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et étirement des cuisses. 1, 2, 3. Ah oui, je monte, je monte, je monte. Étirement des muscles fessiers. 1, 2, 3. Ah, ça fait du bien. Je me fais plaisir. Je m'étire totalement. 1, 2, 3. Et puis je relâche. Le bas du dos revient plaqué au sol. Et je suis juste bien comme ça. Immobilité. Inspiration profonde. Et un Om d'amour pour toutes celles et ceux qui sont là à distance ou ici à Saint-Mexant. 1, 2 et 3. Ceux qui veulent, les plantes des pieds se touchent et les cuisses s'écartent, les genoux s'écartent. Relâchement des cuisses. Nous allons passer à la partie réalisation du jour. Laissez faire votre corps sur les postures qui vous plaisent, que vous aimez. Réalisation du jour. Une respiration. 1, 2, 3. Alors il y a juste à écouter et parfois si vous le sentez, vous pouvez dire « je permets, j'autorise » si ça vibre en vous, si ça vous plaît ou s'il y a un inconfort à dissoudre si c'est possible. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de me créer des routines ou une routine pour me retrouver. Ouh, je pleure, je permets, j'autorise. J'avais besoin de me structurer, de structurer ma vie humaine grâce aux routines. Je permets, j'autorise. J'avais besoin de comprendre le pouvoir du cycle. Je permets, j'autorise. Il suffisait de regarder la nature, les saisons, pour comprendre le fonctionnement des cycles. Les plantes, à partir de graines, poussaient, grandissaient, faisaient des fleurs, refaisaient des fruits, puis des graines, et les graines repartaient dans le jardin. Et un cycle de reproduction, eh bien, avait été instauré pour survivre aux saisons. Une respiration. 1, 2, 3. Le soleil tournait autour du centre galactique avec d'autres soleils. C'était notre galaxie. La Terre tournait autour du soleil ainsi que toutes les planètes du système solaire. Et la Lune tournait autour de la Terre. Une respiration. 1, 2, 3. C'était des cycles. Il y avait des cycles en nous, dans tout ce que je suis. En moi, je permets, j'autorise. Je ressens les cycles en moi. Je permets, j'autorise. Et une respiration. 1, 2, 3. Par moments, j'avais besoin de tranquillité, de me reposer, de m'isoler, pourquoi pas, et de calme. Et par moments, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin d'être dynamique. Par moments, j'avais besoin
de monter en vibration, en conscience. J'avais besoin de me transformer, de changer. Et puis par moments, j'avais besoin d'intégrer, de calmer le jeu et de laisser toutes ces nouvelles réalisations s'intégrer. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, laissez le corps bouger comme il l'entend. Une respiration. 1, 2, 3. Et plus j'allais me connecter au corps physique, plus j'allais comprendre les cycles du corps. J'avais besoin de dormir, j'avais besoin de me réveiller. J'avais besoin de voir aussi l'intérêt du cycle à heure fixe, entre guillemets, même si le temps n'existe pas. En m'endormant tous les soirs à peu près à la même heure, puis en me réveillant avec le soleil lorsqu'il apparaît, j'étais en harmonie avec les cycles de la nature. Je pleure, je permets, j'autorise. J'harmonise tout ce que je suis avec la nature. Je permets, j'autorise. Je me cycle avec la nature. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. J'ai besoin d'étudier les animaux et les plantes qui étaient tous sans aucune exception cyclés avec la nature. Je pleure, je permets, je te laisse. Les plantes se levaient le matin, ouvraient leurs feuilles pour prendre du soleil et refermaient tout la nuit. Enfin, peut-être pas toutes les plantes, hein, mais c'est souvent comme ça. Les animaux diurnes se levaient avec le soleil et se couchaient avec le soleil. Je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et plus j'allais écouter le corps physique, et plus j'allais écouter la nature, plus j'allais écouter tout ce que je suis, et plus j'allais me cycler, me régler sur le mouvement de la vie. Je pleure, je permets, j'autorise. Je m'harmonise avec le mouvement de la vie. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Et j'avais besoin de voir que c'était les programmes de l'identité qui me faisaient sortir de cette connexion à la nature, en m'enfermant dans la tête, dans le mental, dans l'intellect, et en me déconnectant des cycles de la nature. Je pleure, je permets, j'autorise. 1, 2, 3. Et si je laissais le corps s'harmoniser avec la nature, se lever avec le soleil, se coucher avec lui. Et si j'écoutais le corps quand il a envie de dormir, quand il n'a pas envie de dormir, quand il a faim, quand il n'a pas faim. Je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. J'écoute mon corps physique. Je permets, j'autorise. La nature est mon corps physique. Je permets, j'autorise. Et donc j'écoute la nature, je permets, j'autorise. Les pieds sur terre, je reste connecté en permanence à la nature, je permets, j'autorise. Si possible, les pieds nus, je permets, j'autorise. Je pleure, une respiration. 1, 2, 3. Je me rappelle de mes vies chamaniques et de mes vies dans les forêts et les jungles. Je permets, j'autorise. Je pleure, une respiration. 1, 2, 3. Je vis naturellement. Je permets, j'autorise. J'étudie les animaux. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Je regarde comment vivent les chats et les chiens. Je permets, j'autorise. Je suis inspiré par la vie des animaux. Je permets, j'autorise. Je retrouve ma nature animale et naturelle. Je permets, j'autorise. Je reconnais mes besoins animaux. Je permets, j'autorise. Je reconnais mes besoins d'affection. Je permets, j'autorise. Je reconnais mes besoins de tendresse. Je permets, j'autorise. Et je reconnais mes besoins de repos et de tranquillité. Je permets, j'autorise.
J'apprends à ralentir. Je permets, j'autorise. Je m'autorise plusieurs vitesses. Je permets, j'autorise. J'ai le droit d'être rapide. J'ai le droit d'être lent et lente. Je permets, j'autorise. J'utilise la bonne vitesse au bon moment. Je permets, j'autorise. J'ai plusieurs vitesses. Je permets, j'autorise. Une inspiration. 1, 2, 3. Et si je rote, je rote. Je prends le temps d'écouter mes ressentis intérieurs. Je permets, j'autorise. Je ne me laisse pas happer par le mental rapide. Je permets, j'autorise. Je prends mon temps dans mes communications avec les autres. Je permets, j'autorise. Toute la journée, je suis posé dans mon corps et dans mes pieds et dans mon bassin. Je permets, j'autorise. Je prends le temps d'écouter l'autre. Je permets, j'autorise. Et ma respiration. 1, 2, 3. Laissez trembler le corps si le corps tremble. C'est tout à fait naturel. Je trouve la paix en moi. Je permets, j'autorise. Je trouve l'amour en moi. Je permets, j'autorise. Je trouve tout ce que je suis en moi. Je permets, j'autorise. J'incarne tout ce que je suis. Je permets, j'autorise. Je ne me laisse plus influencer par les programmes de la tête et du mental. Je permets, j'autorise. Tout au long de la journée, je vois les programmes. Je permets, j'autorise. Je modifie mes programmes. Je permets, j'autorise. Je m'autorise à modifier tous mes programmes. Je permets, j'autorise. Et ma respiration. 1, 2, 3. Tranquillement, avec douceur et amour, je modifie mes programmes. Je permets, j'autorise. J'observe tout ce qui réagit dans mon corps. Je permets, j'autorise. Et si je pleure, je pleure. Je permets, j'autorise. Et si je sens un inconfort, je sens un inconfort. Et j'en prends conscience. Je permets, j'autorise. Je plonge dans mes inconforts. Je permets, j'autorise. Je plonge dans chacune de mes émotions. Je permets, j'autorise. Et je vis tout ce que j'ai à vivre simplement et naturellement. Je permets, j'autorise. Je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Je laisse la présence se vivre à travers moi. Je permets, j'autorise. Je laisse le silence s'exprimer à travers moi. Je permets, j'autorise. Je laisse la conscience parler à travers moi. Je permets, j'autorise. Je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Je vis la gratitude d'être avec tous ces autres moi magnifiques. Je permets, j'autorise. J'accueille les vérités de chacun et de chacune. Je permets, j'autorise. J'élimine la croyance que je détiens la vérité. Je permets, j'autorise. Nous partageons nos vérités. Je permets, j'autorise. Et je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Gratitude, voilà, il y a juste à ressentir. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps maintenant? Ici, chez moi, ça vibre dans le bas du dos, voilà. Quelque chose s'incarne encore un peu plus chaque jour. Des énergies circulent dans tout le corps. Des réharmonisations se font au fur et à mesure que je permets et j'autorise la lumière et l'amour à s'incarner dans ce corps physique. La lumière et l'amour s'incarnent dans mon corps. Je permets, j'autorise. La lumière et l'amour
Élimine tout ce dont je n'ai plus besoin. Je permets, j'autorise. La lumière et l'amour s'incarnent physiquement dans chacune de mes cellules. Je permets, j'autorise. Et je m'abandonne à ce processus supralumineux. Je permets, j'autorise. Je m'abandonne à ce processus d'éveil. Je permets, j'autorise. Je m'éveille à moi-même. Je permets, j'autorise. Je prends conscience de ce que je suis. Je permets, j'autorise. Et je me libère de toutes les illusions. Je permets, j'autorise. J'entre dans le réel. Je permets, j'autorise. Je touche le réel. Je permets, j'autorise. J'incarne le réel. Je permets, j'autorise. Je vis le réel. Je permets, j'autorise. Et j'aime le réel. Je permets, j'autorise. Je suis heureux, heureuse d'être venue sur Terre pour vivre ça. Je permets, j'autorise. Ouhou, et je pleure. Gratitude d'être tous ensemble. Je permets, j'autorise. Je célèbre et j'honore la vie avec mes amis. Je permets, j'autorise. Je me crée aussi un ou une chérie pour célébrer la vie. Je permets, j'autorise. Pour célébrer nos corps physiques, je permets, j'autorise. Et pour être l'orgasme de la vie, je permets, j'autorise. Ouh, je pleure. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, nous allons passer à la partie initiation Anatman. Un mélange de plusieurs technologies. Ouh, je pleure. Une transmission. Une mise à jour. Une respiration. Et un home d'amour pour entrer dans cette troisième partie. Voilà, en priorité, celles et ceux qui ne sont pas encore passés cette semaine. Une respiration. 1, 2, 3. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi rester les yeux fermés. Alors les jours, une grande inspiration, 2, 3, et si je rejoins, faire, inspiration, 1, 2, 3 et un ohm d'amour pour celle qui passe.
Inspiration profonde. 1, 2, 3. Alors, je me rappelle de ce que je suis. Je permets. J'autorise. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dans ta réalité qui n'est pas encore là? Des câlins. Ok. Et j'ai pas entendu. Donc je voudrais remplir mes besoins d'affection. Ouh, je pleure. Ok. Alors, je reconnais mes besoins d'affection. Je permets, j'autorise. J'accueille mes besoins d'affection. Je permets, j'autorise. Une inspiration. 1, 2, 3. J'élimine les programmes qui m'empêchent de demander des câlins. Ouh, je pleure. Je permets, j'autorise. Je m'autorise à demander des câlins. Je permets, j'autorise. Je reconnais mon besoin de tendresse et d'affection. Je permets, j'autorise. J'ai le droit d'avoir besoin d'affection. Je permets, j'autorise. Laisse pleurer. Je m'autorise à pleurer. Je permets, j'autorise. Et si je pleure, je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Je reconnais mon empathie. Je permets, j'autorise. J'élimine les programmes qui m'empêchent de me voir. Je permets, j'autorise. J'ose me regarder. Ouh, je pleure. Je permets, j'autorise. Je suis belle et beau. Je permets, j'autorise. Je n'ai rien à cacher. Je permets, j'autorise. J'élimine les programmes qui me font croire que je dois cacher quelque chose de moi. Je permets, j'autorise. Je n'ai rien à cacher. Je permets, j'autorise. Je me mets à poil. Je permets, j'autorise. Je suis toujours à poil en vérité. Je permets, j'autorise. Je suis comme tous les autres moi. Je suis nu. Je permets, j'autorise. Je me dénude des programmes. Je permets, j'autorise. Je me dénude des identités et des masques. Je permets, j'autorise. J'aime être nu. Je permets, j'autorise. J'aime mon corps physique. Je permets, j'autorise. J'aime tout ce que je suis. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. J'élimine les programmes qui me font croire qu'avoir besoin d'affection est une faiblesse. Je permets, j'autorise. Alors, j'avais besoin de voir dans le passé, j'ai été manipulé affectivement, émotionnellement. Ah, je pleure. Je me libère des corps de souffrance maintenant. Je permets, j'autorise. Je ne suis pas celle qui a souffert. Je permets, j'autorise. Et je ne suis pas celle qui souffre. Je permets, j'autorise. Je me libère de tous mes corps de souffrance. Je permets, j'autorise. Une inspiration. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Alors j'avais besoin de voir les programmes chez les autres pour ne pas être manipulé. Je permets, j'autorise. Je vois les programmes chez les autres et chez moi. Je permets, j'autorise.
je vois tous les programmes de manipulation. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Je m'autorise à voir tous les programmes de manipulation interne et externe. Je permets, j'autorise. Gratitude pour la clarté. Je permets, j'autorise. Inspiration. 1, 2, 3. Je mets en lumière tous les programmes de manipulation affective. Je permets, j'autorise. Et je mets en lumière tous les programmes de manipulation en général. Je permets, j'autorise. Je retrouve ma souveraineté. Je permets, j'autorise. Je laisse personne me programmer. Je permets, j'autorise. Je découvre la source de chacun de mes programmes. Je permets, j'autorise. Je peux revenir dans l'histoire de quand j'ai reçu le premier programme. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. J'ai le droit de comprendre. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure là. Ouais. Je m'autorise à voir tous les programmes que j'ai reçus dans l'enfance. Je permets, j'autorise. Ouh, câlin. Je t'aime, merci, gratitude. Le micro. Ouais, vous m'entendez? Ouais. Je m'autorise à reconnaître les besoins de mon enfant intérieur. Je permets, j'autorise. Je prends soin de mon enfant intérieur. Je permets, j'autorise. Je suis douce et doux avec mon enfant intérieur. Je permets, j'autorise. Je suis doux et douce avec moi. Je permets, j'autorise. Je suis mon enfant intérieur aussi. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. J'élimine tous les programmes qui sont violents envers moi. Je permets, j'autorise. Oui, ça revient un peu au même, en fait. Si je permets, je reprogramme, en fait. Et ça revient un peu... J'élimine tous les programmes qui sont violents envers moi. Je permets, j'autorise. La lumière et l'amour à tout reprogrammer, à tout changer. Oui. Une inspiration. 1, 2, 3. J'élimine tous les programmes qui me font croire que je dois être dur avec moi. Je permets, j'autorise. Je suis douce et doux avec moi. J'élimine tous les programmes qui me font croire que je dois souffrir pour avoir des résultats. Je permets, j'autorise. J'ai plein de résultats facilement sans aucun effort. Je permets, j'autorise, car je suis aligné avec ce que je suis. Je permets, j'autorise. Je suis la fluidité elle-même. Je permets et j'autorise. Je crée une vie où il y a une fluidité tout le temps. Je permets, j'autorise. Même quand c'est inconfortable, ça devient fluide. Je permets, j'autorise. Je suis l'amour qui s'aime. Je permets, j'autorise. Il y a double sens là. Inspiration. Je suis l'amour qui autorise. Je permets, j'autorise. En anglais, ça fait I am the loving awareness. Voilà, pour ceux qui veulent aussi. C'est un peu différent en anglais. Oui, I am the loving awareness. IOLO. IOLO. Et en anglais, ça serait aussi. I release all the violent programs. I release et je me détache. Une respiration. 1, 2, 3. J'élimine les programmes qui m'empêchent de donner et de recevoir de l'amour. Je permets, j'autorise.
Je donne et je reçois de l'amour car je suis amour. Je permets, j'autorise. J'élimine la croyance que je n'ai pas le droit de me faire du bien avec l'amour. Je me fais du bien avec l'amour. J'ai le droit de me faire du bien avec l'amour. J'élimine tous les programmes qui me font croire que je n'ai pas le droit de toucher les autres moi. Je permets, j'autorise. Je m'autorise à toucher physiquement les autres moi. Alors, dans le respect de leur choix tout de même. Donc, je m'autorise à demander si je peux faire un câlin. Je permets, j'autorise. Et je m'autorise à demander si je peux toucher l'autre. Je permets, j'autorise. Je respecte mon territoire. J'élimine tous les programmes qui me font envahir les autres. Je permets, j'autorise. Et personne ne m'envahit. Je permets, j'autorise. Je demande l'accord. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, ma gratitude, c'est bien. Comment tu te sens? Ouais. Ou ça? Dans le dos, ok. Bah, je fais du yoga. Hein. Je permets, j'autorise. J'élimine toutes mes tensions progressivement. Je permets, j'autorise. Merci. Merci. Merci beaucoup. Une inspiration. 1, 2, 3. Gratitude. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ne sont jamais passés. Mais... Tout se passait, bah ok. Vous pouvez repasser. De toute façon, c'est pour tout le groupe, en fait. Hein. Quand quelqu'un passe, c'est pour tout le nous. Alors un Om d'amour pour celui qui passe. Je permets, j'autorise. Je laisse mon corps digérer. Je permets, j'autorise. Et je laisse mon corps ôter. Je permets, j'autorise. Inspiration. J'élimine les programmes qui font croire que ôter, c'est sale. Je permets, j'autorise. Ôter, c'est propre. Je permets, j'autorise. J'élimine tous les programmes qui font croire qu'il y a des choses sales qui sortent de mon corps. Je permets, j'autorise, tout est propre en moi, car je suis divin et divine. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. J'élimine tous les programmes qui font croire que ce n'est pas poli de rôter. Je permets, j'autorise. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu voudrais créer dans ta réalité ? Alors, je voudrais m'exprimer plus facilement. Ouh, je pleure. Oui. Ça coince physiquement. Alors, j'élimine les programmes qui m'empêchent de m'exprimer. Je permets, j'autorise. J'élimine les programmes qui me font croire que je vais être puni par papa. Ouh, je pleure. Je permets, j'autorise. Je lis celle-là. J'élimine les programmes qui me font croire que je vais être puni par maman. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure, laisse pleurer, laisse rôter, ne retiens pas. Je ne retiens rien. Je permets, j'autorise, ne retiens pas. Comment tu te sens là? Ouais, ça bouge beaucoup hein, chez toi. Il y a beaucoup de réactions physiques. Je permets, j'autorise. Ah, ça pleure, ok. Je pleure, dis je pleure plutôt.
Nous avons changé de système récemment. Désolé. Une respiration. 1, 2, 3. Je laisse pleurer. Je permets. J'autorise. Je laisse mon corps bouger. Je permets. J'autorise. Ah oui, j'élimine tous les programmes qui n'ont pas confiance dans le système d'évolution. Je permets. J'autorise. J'ai confiance. J'ai confiance dans le processus, dans mon processus d'évolution. Je permets, j'autorise. Je laisse faire. Je permets, j'autorise. Je m'autorise à vivre physiquement les choses. Ouh, je pleure, je permets, j'autorise. Je m'autorise à vivre dans le corps toutes les choses. Je permets, j'autorise. Afin de les intégrer. Ouais, je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, j'élimine la croyance que ce que je dis doit être validé par l'autorité. Je permets, j'autorise. Je dis ce que je ressens. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Je me libère de l'autorité parentale. J'élimine tous les programmes qui me faisaient croire que j'étais sous l'autorité des parents. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure là, tu sens? Ça marche bien. J'active en moi le GPS interne dans le cœur. Je permets, j'autorise. Et je prends conscience que si je pleure, c'est parce que je suis touché, c'est parce que c'est vrai. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure, voilà. Ouf. Donc voilà, pour tout le monde, si je pleure à l'intérieur, hein, pour chacun, si vous pleurez, si je pleure, c'est parce que je suis touché. Si je suis touché, c'est parce qu'il y a quelque chose de vrai, en fait. Ça, c'est important de rester très aligné là-dessus. C'est nouveau depuis quelques semaines, mois, c'est vraiment amplifié cette perception de je pleure. À une respiration. 1, 2, 3. Alors, j'élimine les programmes qui créent une confusion entre quand je pleure et quand l'autre pleure. Je permets, j'autorise. Alors, à un certain niveau, tous les autres sont moi, oui, mais au niveau de l'incarnation, c'est pratique de voir si c'est je, moi qui pleure ou si c'est l'autre. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Surtout si vous êtes thérapeute. Je clarifie qui pleure dans chaque individu et dans chaque corps. Je permets, j'autorise. J'augmente mon discernement et ma clarté. Je permets, j'autorise. Alors, j'élimine les programmes qui me font confondre aussi si je me sens mal ou si l'autre se sent mal. Je permets, j'autorise. Je fais la distinction si c'est mon corps, mon identité ou l'autre identité qui se sent mal. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure. C'est bien ça, non, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vachement important, parce que sinon ça crée des confusions. Surtout quand vous êtes en pâte. Hein? Ah oui, en plus, des fois c'est douloureux. Okay. Et oui, alors je fais la part des choses entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Je permets, j'autorise. Je crée en moi un système de discernement sur les ressentis. Je permets, j'autorise. J'élimine les programmes qui confusionnent mes ressentis et ceux des autres. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure. Ça bouillonne de la tête. J'aime bien, ok. On va laisser bouillonner. C'est très culinaire, ton truc. On va laisser cuire. On va laisser mijoter 2 heures. Je t'aime. J'ouvre mon cœur. Je permets, j'autorise. J'élimine tous les programmes qui me font croire que les autres ne sont pas moi. Je permets, j'autorise. Laisse faire, respire, juste respire. 1, 2, 3. Je laisse les énergies me parcourir. Je permets, j'autorise. Voilà.
Tu vois, le yoga, ça sert à ça. Parce que quand il y a des grosses montées comme ça, bah, c'est bien pratique quand c'est fluide. Hein. Sinon, après, je tremble dans tous les sens. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, oui, il y a un truc qui vient par rapport à ça. C'est donc la fameuse Kundalini, hein, ces fameux étirements de la colonne dans tous les sens. J'élimine tous les programmes qui m'empêchent de comprendre le mécanisme d'éveil de la Kundalini. Je permets, j'autorise. Je m'autorise à comprendre toutes les cartographies de chaque tradition. Je permets, j'autorise. Je ne suis pas dans le « ou », mais dans le « et ». Je permets, j'autorise. Je prends ce qui est bien dans chaque tradition. Je permets, j'autorise. J'élimine les problèmes qui me font tout rejeter. Je permets, j'autorise. Je choisis. Je permets, j'autorise. Oui, j'élimine tous les programmes qui m'empêchent de choisir. Je permets, j'autorise et je choisis. Voilà. Ouh, je pleure là. Je choisis les programmes qui me plaisent et qui me conviennent. Je permets, j'autorise. Je choisis les cartographies qui me conviennent. Je permets, j'autorise. Je trouve en moi une grande liberté. Je permets, j'autorise. J'élimine tous les programmes qui me font croire qu'il y a du bien et du mal. Ouh, je permets, j'autorise. Je pleure là. J'élimine tous les programmes qui me font croire que j'ai raison ou tort. Je permets, j'autorise. Ah, bien celle-là. Je suis ce que je suis. Je permets, j'autorise. J'ai tort et j'ai raison. Je permets, j'autorise. Je suis la non-dualité. Je permets, j'autorise. Ah oui. J'élimine tous les programmes qui m'empêchent de voir la non-dualité. Je permets, j'autorise. Je vois ce que je suis. Je vois la non-dualité. Je permets, j'autorise. Alors, pour donner une explication, la non-dualité, c'est au-delà de la dualité du bien, du mal, du vrai, du faux, du blanc, du noir. C'est le niveau du dessus, en fait. Okay. Bon, c'est un petit peu spirituel, mais ou Advaita, mais c'est important aussi de savoir sortir de la dualité des fois. Ça peut être utile. Ouh, je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens sur l'expression? C'est mieux? D'accord. Et dans le corps, c'est comment? C'est plus fluide. Ok, mais c'est comme ça toute la journée, le corps qui bouge comme ça, ou c'est que maintenant? Ah, je pleure. Oui, je pleure. Ouh, je pleure. Je permets, j'autorise. Oui, je voudrais être plus dans cet état et dans l'être, dans ce que je suis. Je permets et j'autorise. Oui. Ah, mais il y a un nouveau truc, tiens, qui vient d'arriver, un nouveau mot. Ah, je pleure. C'est j'annonce. Ah, c'est beau. J'annonce. J'annonce que je souhaite être plus dans l'être et dans ce que je suis. Je permets, j'autorise. Ah, c'est bien, on a un nouveau mot. Parce qu'on avait je dénonce, on avait je permets, j'autorise, on avait je pleure, je ris, et là, j'annonce. C'est rigolo. Alors, gratitude de recevoir de plus en plus de mots. Je permets, j'autorise. Et oui, comme des cadeaux, en fait. Les mots sont des cadeaux. Ah! Je fais un bon usage des mots, je permets, j'autorise. Ouh, j'élimine. Et oui, j'élimine la croyance qu'il n'y a que deux mots. Je permets, j'autorise. Ça, c'est les deux premiers, mais il y en a plein. J'annonce. Je choisis la lumière et l'amour. Je permets, j'autorise. Ah oui, j'annonce. C'est beau, ça, j'annonce. Ah... J'annonce, je diffuse. Waouh. Et j'annonce à tout ce que je suis, en fait. Vous voyez, hein, ça marche comme ça. Ouh, je pleure. J'annonce à moi-même, bien sûr. Mais tous les autres sont moi-même aussi. Mais j'annonce surtout à moi-même, vous voyez, vous sentez. C'est pas j'annonce pour la Terre ou les autres, non, c'est j'annonce. Il y a un je reconnais dans j'annonce. C'est un peu pareil. J'annonce. C'est le contraire de je dénonce, d'ailleurs. Je dénonce, c'est quand je suis pas d'accord. Et j'annonce, c'est quand je suis d'accord. Ah. Ouais. Je m'autorise à annoncer. Je permets, j'autorise. J'annonce mes choix. Ah, je permets, j'autorise. Ah, je pleure, c'est beau. J'annonce mes choix.
Je permets, j'autorise. J'ai le droit d'avoir des choix. Je permets, j'autorise. Je suis libre de choisir. Je permets, j'autorise. Ah, c'est par rapport à l'expression. J'exprime mes choix. Je permets, j'autorise. Voilà. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Je permets, j'autorise. Je m'autorise à ne pas être d'accord d'ailleurs. Je permets, j'autorise. Ah, voilà. Ok. Je m'autorise à dire à l'autorité que je ne suis pas d'accord. Je permets, j'autorise. Ah, j'aime celle-là. Oui, mais il y en a plusieurs, si tu veux. Je reconnais toutes les autres autorités. Je permets, j'autorise. Je réalise le contexte. Je permets, j'autorise. En fait, oui, je suis ma propre autorité, mais oui, je reconnais toutes les autres autorités. J'annonce que je reconnais mon autorité et celle des autres. Je permets, j'autorise. Alors, je reconnais l'autorité de ce lieu. Je permets, j'autorise. Je reconnais l'autorité de mon territoire. Je permets, j'autorise. Je reconnais les autorités de chaque un. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure. Voilà. Alors, pour la petite histoire, qu'est-ce que c'est l'autorité ? Donc, c'est votre territoire, votre corps physique. Ici, donc, vous êtes sur le centre Anatman qui a défini, en fait, ses règles. Gentillesse, bienveillance, abandon de soi, utilisation des technologies « je permets, j'autorise ». Voilà. Et donc, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de tabac. Donc, c'est les règles du territoire et de l'autorité. Et chez vous, vous pouvez aussi créer vos règles, hein, pour donner un exemple. Il y a gentillesse et bienveillance, communication consciente. Voilà. Mais j'ai le droit de créer des règles dans mon territoire. Je permets, j'autorise. Voilà. C'est vraiment important que chacun puisse créer chez soi son territoire et aussi respecter quand vous êtes dans les territoires des autres, bien entendu. Ça fait partie. Voilà. Ouh, je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et là, il y avait le truc, j'avais pas le droit de parler parce que j'avais pas mon territoire, c'était toujours sous l'autorité de papa. Tu vois, c'était ça le problème. Alors nous allons dire, je suis adulte, je crée mon territoire. Et finalement, la définition de être adulte, c'est quoi ? C'est quand vous avez votre propre autorité. Et tant que vous n'avez pas fait ça, vous n'êtes pas adulte. Vous restez dans l'enfance. Vous voyez ? Vous comprenez ? Alors, j'élimine tous les programmes qui m'empêchent de créer mon autorité. Je permets, j'autorise. J'annonce que je suis ma propre autorité. Je permets, j'autorise. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire faire la révolution dans le centre Anatman, hein, je vous préviens. Ça veut dire être votre propre autorité, mais vous avez quand même le droit de respecter les autorités des autres. Je précise quand même parce que... on ne sait jamais. Hein. C'est-à-dire que chacun quand même a le droit d'avoir son territoire. Non mais c'est important que chacun se respecte. Mais si je ne me respecte pas, je ne peux pas respecter les autres. Vous voyez le problème ? Mais si je n'ai pas ma propre autorité, je ne peux pas ni me respecter ni respecter les autres. Vous voyez le problème ? Et ça pose des problèmes en fait. Dans la vie humaine, de relations. Et d'énergie aussi. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà. Attitude. Ah, j'avais été conditionné à obéir. Alors attends, c'est bien que tu dises ça. J'élimine tous les programmes d'obéissance. Je permets, j'autorise. Ah oui, il y avait une confusion entre obéir et accepter l'autorité de l'autre. Tu vois le problème ? Eh ben non, c'est pas parce que j'accueille et j'accepte mon autorité et celle de l'autre que j'obéis. Pas du tout. C'est très différent. C'est du respect et de l'amour de mon autorité et de celle des autres. Hein, vous voyez ? C'est l'enfant qui avait été habitué à obéir. Donc j'élimine tous les programmes d'obéissance. Je ne suis pas venu pour obéir. Ok, je permets, j'autorise. Voilà. Comme ça, ça nous libère de tous les programmes d'obéissance. Parce qu'il y a vraiment une confusion là-dessus dans la société. Et on va dire quand même en même temps, je m'autorise à respecter les autres autorités. Je permets, j'autorise. Hein ? Vous voyez la différence entre respecter une autorité et obéir ? Ça n'a rien à voir. Parce que dans obéir, j'ai pas le choix, je subis l'autorité. Hein ? Des parents, typiquement. Mais l'autre, j'ai le choix de comment dire, si j'ai envie d'être en relation avec quelqu'un, eh ben, je vais m'abandonner à son autorité et accepter ses règles de communication. Tu vois la différence ? Hein ? Et donc, ça va améliorer nos relations humaines, en fait, hein, ce qu'on fait là. Okay ?
Et oui, parce que il n'y a pas de bonne relation, enfin de relation, comment dire, harmonieuse, si je ne respecte pas l'autre et si l'autre ne me respecte pas, c'est évident. Alors, élimination des programmes qui m'empêchent de respecter les autorités des autres et mon autorité. Je permets, j'autorise. Voilà. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens avec tout ça? Ok. Ouais, c'est très important parce que c'est ce qui empêchait l'expression. Alors, ça veut pas dire parler tout n'importe comment et couper la parole. Hein. Mais voilà. Ah, il y a un truc comme ça. J'ai créé des stratégies de blagues et de machin pour pouvoir m'exprimer parce que j'étais castré par la famille. D'accord, j'ai compris les blagues. Alors, on va dire, je m'autorise à faire plein de blagues. Je permets, j'autorise. Mais tu vois, si tu vas pas les faire pour fuir, mais juste parce que pour faire rire, et parce que j'ai envie de rire, tu vois. C'est pas pareil. Et souvent dans les comiques, il y a d'où vient la blague. Est-ce que c'est l'ego qui critique, ou l'ego des fois qui est qui a un mauvais ressenti, ou est-ce que c'est l'être d'amour qui exprime à travers la blague. C'est pas la même énergie derrière. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En fait, c'est l'intention derrière la blague. Tu vois? Il y a plusieurs types de comiques. Hein. Il y en a, c'est pas du tout la même énergie. Voilà. Ah, ça bouge vachement chez toi. Donc là, c'est surtout quand on est ensemble, alors. C'est ça? Quand tu fais le yoga aussi. Oui, c'est le corps qui fait, en fait, chez toi. Mais c'est chouette, ça. Alors, on va dire, je laisse le corps faire. Mon corps a raison. Je permets, j'autorise. Mon corps a raison. Oui, je permets, j'autorise. C'est important de comprendre que le corps a raison. Oui, je laisse rôter. Je permets, j'autorise. Et c'est vrai que j'ai besoin de voir que le corps ne peut pas mentir, mais que le mental peut très bien mentir. Ou je pleure, je permets, j'autorise. Hein? C'est important de voir ça maintenant là. Alors pourquoi le corps ne veut pas mentir? Ça c'est une bonne question. Ça c'est intéressant. Parce que le corps est vrai. Ah, le corps c'est le réel en fait. Il peut pas mentir. C'est les mondes virtuels qui peuvent mentir. Vous voyez comment ça marche? Mais oui, c'est logique. Ce qui ment, c'est ce qui est faux. Évidemment, ce qui est vrai ne peut pas mentir. Et le corps, il est vrai, il est réel. Alors pourquoi je dis le corps est réel? Bah parce que il est là tous les matins quand vous vous réveillez, il est là, il bouge pas, il peut pas, il est pas irréel dans cette dimension, attention, hein. Tu vois? Le corps, c'est le truc le plus réel que j'ai. Ah oui. Bah oui, évidemment. Et oui. C'est le truc le plus réel. Par exemple, j'ai mal au dos, bah j'ai mal au dos. Ça, c'est réel, tu vois. Et tant que j'ai pas fait ce qu'il faut, bah je vais continuer à avoir mal au dos, tu vois. Mais je peux vite arrêter la douleur si je veux. C'est pour ça que c'est le réel. Tandis que une idée, une pensée, bah je peux l'oublier, tu vois. Un truc qui me fait pas plaisir au niveau de la tête, mais je fuis, je cache, ça reste dans l'inconscient. Avec le corps, je peux pas. J'ai mal. Ouais, vous voyez comment ça marche? Pour ça, le corps est réel, la tête n'est pas réelle. Déblocage du ventre. Oui, je permets, j'autorise. Alors, prise en charge de tous les corps physiques ici et déblocage de tous les corps physiques. Je permets, j'autorise à la lumière et à l'amour d'intervenir maintenant. Ouh, je pleure. Voilà. C'est important de comprendre que le corps est réel. C'est vraiment important. Pourquoi nous faisons du yoga, du sport? Pourquoi je vous parle toujours du corps? Pourquoi c'est difficile de faire du yoga et de venir tous les jours pour beaucoup d'entre nous? Mais parce qu'il y a les programmes qui veulent pas voir ça, le réel. Alors j'élimine tous les programmes qui fuient le réel et l'incarnation. Je permets, j'autorise, je m'incarne pleinement dans mon corps physique. J'élimine tous les programmes qui me font fuir mon incarnation, le réel, la réalité. Je permets, j'autorise, je suis de plus en plus réel. Voilà, c'est ce que nous faisons ici en fait. Hein. Voilà, laissez tousser.
Et je comprends que ça puisse être difficile pour certains, certaines, et qu'il y a des programmes de fuite, d'auto-sabotage. Hein. C'est logique. Pourquoi ? Parce que c'est pas l'intérêt du mental de perdre le pouvoir et le contrôle. Donc c'est pas l'intérêt des programmes que nous soyons dans le corps, le cœur et le réel, évidemment. Ouh, je pleure. Hein, vous voyez, c'est évident tout d'un coup. Hein. Alors on va dire, je mets mon mental au service du corps et du cœur, je permets, j'autorise, et je mets mon mental au service des émotions aussi, je permets, j'autorise. C'est pour ça que les émotions étaient bloquées. Chez moi, par exemple, à l'époque, toujours encore un peu, mais là je commence à pleurer maintenant. Alors j'incarne pour pleurer, je permets, j'autorise. Voilà. Bon, c'est bien, hein. Allez, câlin. Une grande libération dans le monde. Après, tu pourras aller aux toilettes. Gratitude. Une respiration. 1, 2, 3. J'aime vivre dans ce corps. Je permets, j'autorise. J'aime ce corps physique. Je permets, j'autorise. Je vis pleinement dans chaque cellule de ce corps physique maintenant. Je permets, j'autorise. J'annonce que j'aime ce corps. J'annonce que je m'incarne. Oui. J'annonce que je m'autorise toutes les formes de jouissance et d'orgasme dans ce corps. Je permets, j'autorise. Voilà. Gratitude, je t'aime, merci. Et d'ailleurs, il y a un autre truc qui arrive, c'est la réalisation qu'il n'y a pas d'amour possible sans le corps. Puisqu'en fait, nous sommes déjà tous amour dans l'éther, mais dans ce corps, dans cette réalité, dans cette dimension, c'est grâce au corps physique que je ressens le cœur et l'amour quand je fais un câlin à un ami ou un ou une chérie, tu vois. Si j'ai pas le corps physique, j'ai rien en fait, j'ai rien. J'ai juste l'idée que j'aime. Encore un programme, ça. Alors j'élimine la croyance que je peux aimer sans mon corps. Je permets, j'autorise. J'élimine toutes les croyances et tous les programmes que c'est la tête qui aime. Je permets, j'autorise. Je réalise que c'est mon cœur dans mon corps physique qui aime. Je permets, j'autorise. Je développe l'amour que je suis en faisant plein de câlins. Je permets, j'autorise. Ouh là, je pleure. Ah bah voilà pourquoi je veux toujours faire des câlins, j'avais pas compris. C'est pour ça. C'est pour incarner l'amour. J'incarne l'amour. Je permets, j'autorise. En touchant mes amis et mes chéris, ne serait-ce que se prendre la main. Ah oui, j'élimine tous les programmes qui m'empêchent de prendre la main des gens. Je permets, j'autorise. Alors je demande aux gens évidemment si je peux prendre la main, mais je prends la main des gens, je fais des câlins, je suis humain. Je suis pleinement humain maintenant, dans ce corps physique. Je permets, j'autorise. J'élimine tous les programmes qui m'éloignent des autres physiquement. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure, une respiration. 1, 2, 3. Ah bah oui, là tu trembles plus. C'est tout apaisé. C'était les programmes qui gigotaient. C'était marrant, ça. Ils ont gigoté, ils sont tous mourus. Ah, c'est vrai que moi je suis très calme, je bouge pas du tout. Hein. Enfin, sauf des fois il y a des trucs, mais c'est très très posé aujourd'hui. D'accord aussi, ok. Disons que c'est les programmes qui ont réagi en bougeant. C'est intéressant de voir ça. Il y a plusieurs raisons. Voilà, c'est tout apaisé là, c'est marrant. Comme si tous les programmes avaient mouru. C'était vraiment important la séparation avec les autres. C'est ça qui a réglé aussi, tu vois. Je réalise que tous les autres sont moi en vrai. Je permets, j'autorise. C'est au début, pour certains, certaines, ça va être une idée. Mais à un moment, ça va être une réalisation. Et là, ça va tout changer dans votre vie. Comme ça a tout changé dans la mienne. Hein. Je pleure, voilà. J'annonce qu'il n'y a pas d'autre. Je permets, j'autorise. Ok.
quelle heure est-il au fait? Là, on se laisse aller. Ah, on est en retard. Enfin, on est à l'heure plutôt. Ah, merci. Allez, nous allons revenir. C'était chouette. C'est de plus en plus... Alors, les lunettes sont là. Ah, c'est incarné, hein. Je t'aime. Je t'aime. J'annonce que je t'aime. Je t'aime. Je t'aime sur YouTube. Te amo, te amo. I love you. Et où amo você? Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Te amo, je t'aime. Je t'aime. Dieu, vous êtes radieux, hein. Voilà. Vous êtes radieux et radieuse. Elle est bien votre crème, là. Je sais pas ce que vous faites, mais... Ça irradie. Je vais vous prendre en photo, parce que... C'est un truc qui est très physique, en fait, finalement. Ouais, ouais, allez-y, photo pour ceux qui veulent être en photo. On va prendre des photos pour montrer quand même le résultat du yoga. Voilà, ceux et celles qui veulent, bah, vous êtes tous radieux, là. N'hésitez pas à venir. Ceux qui veulent montrer leur radiance. J'annonce que je suis radieux, radieuse. Allez, hein. Voilà. Voilà. Eh ben. Ah ouais, on va en faire tous les jours. Alors, en souriant maintenant, il y en a qui ne souriaient pas. Alors, c'était j'autorise, j'autorise, j'autorise. J'autorise. Voilà, j'autorise. Eh bien voilà, nous allons pouvoir prendre le petit déjeuner. Tout le monde est dans son corps. Hein. Vous avez vu que nous sommes revenus plus vite aujourd'hui dans le corps, hein. Parce que c'est quand même très connecté. Hello. Bonjour. Buenos dias. Good morning. À bientôt. À demain. Pour celles et ceux qui sont sur YouTube, à demain. Et pour les autres, eh bien, à tout de suite.